Thank you.
It's an old French custom that deadly insults have to be wiped out with blood. So when Professor Nortmore made pointed remarks about collaboration during a trial in Paris, one of the lawyers, Maître Vignoncourt, took it personally and challenged him to a duel. Duels, of course, have to be kept very secret, as you see. For referee, they had Monsieur Schmeck, a former world fencing champion, and soon the angry antagonists were hard at it. The professor on the right looks to me a trifle less expert than the lawyer, but, well, I better be careful what I say. Thrust and parry, the clash of steel, a battle of honor, and all before breakfast. Rapiers for two, coffee for one. But which one? Ah, Vignoncourt has pinked Nortmore in the arm. C'est rien, says Nordman, but the fight is stopped just the same. The professor, normally a pacifist, I understand, has his wound attended to, and the lawyer, let's hope, is satisfied now that he's wiped out the insult. Of honor, the combatants, the 72-year-old Marquis de Cuevas, ballet impresario, and choreographer Serge Lefar, 53. The weapons, épées, blunt-edged but sharp-pointed. The issue, the Marquis' staging of the Lefar ballet. Fortunately, the swords are gingerly wielded, but blood is drawn. A scratch on Lefar's arm ends the duel. The two friends, deeply moved, are brought together again. Honor satisfied, pride vindicated. The duel is illegal in France, so this was officially a secret. Only about 30 newsmen attended. They do these things so well in France. Le cliquetis des armes résonne chez le marquis de Cuevas qui se hâte d'apprendre le maniement de l'épée en vue du duel qui va l'opposer à Serge Lifar qui travaille lui aussi avec quelle ardeur pour laver dans le sang, le premier il est vrai, une offense dont il entend avoir réparation. À l'aube du grand jour très attendu, après une semaine d'incertitude, les journalistes prennent en chasse les deux adversaires qui vont défier les foudres de la loi tout en tentant de s'égratigner dans un lieu tenu soigneusement secret mais rapidement éventé. Le terrible combat s'engage, avec moins d'ardeur qu'aux répétitions cependant, dans une atmosphère de général assez réussie. Sur un faux mouvement du marquis, Serge Lifar est blessé. Griffé, plutôt. Mais le premier sang a coulé, lavant l'affront dans l'honneur. La représentation s'achève sur une réconciliation avec promesse de contrat. À défaut du chirurgien, les photographes ont opéré et décidé pour l'avenir de régler eux aussi leurs différends à l'arme blanche. Ayant déjoué la police et presque toute la presse, adversaires, juges et témoins se sont retrouvés sous les ombrages d'une résidence privée de Neuilly. Arbitre, M. de Lipovski. Offensé, M. René Rivière, député 5e République du Val-d'Oise. Insulté à l'Assemblée lors d'une discussion véhémente, il demandait réparation par les armes et avait choisi l'épée pour laver son honneur. Offenseur, M. Gaston Defer, député maire de Marseille, socialiste. Les témoins des deux adversaires s'étaient mis d'accord sur un duel au premier sang. M. Defer, qui eut déjà une explication au pistolet avec M. Paul Bastide, prit rapidement l'avantage sur M. Rivière, qui pour en être à ses premières armes semblait moins assuré. Liant le fer, marchant, poussant sa botte, enfin, Monsieur Defer touchait son adversaire à l'avant-bras. Le premier sang venait d'être versé. Monsieur Rivière pourtant exigeait de reprendre le combat, non pas à mort, car il pensait se marier le lendemain même et risquer sa vie pour une insulte lancée au cours d'un débat politique n'est guère de notre temps. Lorsque sur une nouvelle botte, Monsieur Rivière fut une fois encore touché, l'arbitre arrêta la rencontre.